Oh oui, le salut du love, des bisous les amis, comment allez-vous? Alex Hansen et Kelly Don Alex qui vous retrouve sur Resident Evil Revelations, épisode 8 déjà, après l'épisode précédent qui était juste incroyable où on n'était pas sur le Queen Zenolia, je sais plus comment s'appelle le navire, on était sur l'autre navire qui n'était pas le bon avec Chris. Et Jessica, on cherchait évidemment Jill et Parker, et finalement les pauvres Queen et Face et Face Fate, je sais plus comment ils s'appellent les deux gars là, vous savez les deux petits clowns là qui sont trop marrants là, et ben ils se sont fait douiller, et oui ils se sont fait douiller par Veltro. Donc belle aventure à en devenir dans l'épisode numéro 8 les amis, et on avance vite hein, on avance vite, on en est, j'ai regardé à un petit peu moins de la moitié du jeu, mais vraiment à quelques minutes près, vraiment, on est quasiment à la moitié du jeu. On est vraiment plutôt sur une mi-parcours. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que le jeu passe vite, ça passe très très vite. Et moi, de mon côté, je pense fin juin, j'aurai peut-être fini le tournage de Resident Evil Revelations. Et on va pouvoir se concentrer un peu plus sur Zelda là pendant une partie de l'été. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Campagne! Évidemment. Épisode 6, le chat et la souris, on continue. Et on est parti pour une belle aventure. J'espère que ma caméra va pas freeze parce que ma caméra freeze de plus en plus. Voilà. Le petit épisode précédent. On regarde, hein. On est là, on va se remettre dans l'ambiance. Ils sont là, les deux clowns. Et eux, ils sont en train de se noyer. Hein. Mais oui, j'ai pensé à un truc. Ils sont pas encore noyés. Il y a une personne, Raymond. Raymond, on l'a pas vu. C'est pas Raymond va nous sauver la vie. Il manquait Raymond. C'est Raymond qui va leur sauver la vie. Viens y penser là. Ok, bon. Mais moi, c'est pas Raymond qui va leur sauver la vie là. Raymond qui était dans le parage hein, depuis le début du jeu. Peut-être qu'il est là. C'est peut-être lui qui va sauver la vie évidemment de Jill et Parker. Je ne sais pas. On suppose, là, c'est vraiment de la théorie. Alors, je reviens un petit peu parce que je vais pas faire un gros épisode aujourd'hui non plus parce qu'il est déjà tard. Je tourne jamais à ces heures-là. Normalement, je tourne pas après 22h. Là, il est 21h15. Donc, ça passe tout juste. J'arrête toujours avant 22h. J'essaie un petit peu de respecter le fuseau horaire pour le voisinage. On sait jamais. Pas faire des vidéos en pleine nuit. Voilà. Donc, je tourne souvent avant, après 8h et avant 22h. Quand je peux. Quand je peux, évidemment. Ok. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Est-ce qu'il y a Raymond? Par pitié, Raymond est là, quoi. Plongée. F. W pour nager. Ben là, on va où là? Ah, petite biche! Ok, un tuyau. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. On va peut-être pouvoir monter à la surface. Bon, on peut plus. Et je vais ouvrir quelle porte, moi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Encore un tuyau là. Ok. Ah bah on est mort. Hein. Ah non, là, là, on peut remonter ici. Qu'est-ce que je dois faire avec le tuyau là? Attends, reviens, reviens. Il y a un truc avec les tuyaux, j'ai pas compris. Hein. Ouais, bah là, c'est la phase du jeu, je comprends pas en fait le but en fait. La porte est fermée, ouais. Ouais? Mais ça va quoi leur tuyau là? Ah bah attendez, ils mettent des tuyaux là, mais les tuyaux, on en fait quoi leurs tuyaux là? Attendez, ils sont gentils, hein, ils sont bien mignons avec leurs tuyaux là, mais on fait quoi moi de ça? Mais on fait quoi de leurs tuyaux? Waouh, l'objectif n'est pas clair. Hein. Alors dites-le que je suis fou, hein, mais... Je comprends pas là. Faut se mettre là? Ok. Ah, il demande de faire ça avec la souris alors que ma caméra a été prise. Oh là là, bordel. On va récupérer un autre tuyau. Il y en avait un autre en bas là, on va le récupérer.
Ok. Alors c'est même pas Raymond qui va nous sauver, c'est juste par chance quoi, qu'on va vivre. Ok. Bah t'as de la chance, hein, Gilles, hein. Tu vas survivre par la chance de la chance. Voilà. Ah, je crois que j'ai fait quelque chose là. Allez encore. Par là! Par là par cœur, j'ai trouvé la sortie. C'est du miracle. Voilà. Oh, vous m'auriez dit Raymond, on les aurait sauvés, ça aurait été plus cool, mais bon. Après, il y a peut-être une histoire avec Raymond qu'on connaît pas et c'est un méchant. C'est que Raymond travaille pour Veltro, hein, et qu'il nous espionne. On ne sait pas non plus. Donc on va rester méfiant de Raymond. On a envie des moments ensemble. Hein. Bon! Alors déjà. Et on sait jamais. Hein. On reste à l'affût. Hein. Vous savez, les munitions. Ça fuse. Hein. Étui de cartouche, fusil à pompe. Ah, ça c'est bien, on aura plus de balles. Alors, hop. Hop. 9 balles de cartouche de fusil à pompe. On a 13 balles de mitraillette, 0 de pistolet. On y va. Alors, attends. Où ça? Où ça, il y avait un... J'ai cru voir un point, là. Ok. Donc là, c'est foutu, non? On peut aller là, encore. On peut encore aller là. Bonne nouvelle. Ouais, ça ne s'ouvre pas. On sait que derrière, c'est inondé. On l'a vu tout à l'heure. Bon. Viens avec moi, Parker, là. Je sais pas, on va où, là. En quête d'aventure. Quoique, on a des trucs maintenant qu'on peut utiliser en arrière, non? Je sais même pas on va où, hein, les amis. Là, moi, j'y vais. Hein. En inconnu total. Hein. Ah! Saloperie de créature qui me tombe dessus alors que j'étais en train de chercher. Ok. Ah, bordel. Ça va être casse-couille, ça. En plus, je vais pas aller où, cette créature-là? Allez hop, ça s'en va. On va juste faire la scanner dans l'eau avant qu'elle disparaisse, voilà. Let's go. On va aller par là. Bon, eux, c'est impossible hein, vraiment de les gérer. Hein. Ah, j'ai pas de munitions! J'ai pas de balles de rien, moi. J'ai pas le temps de les scanner. En plus, je vais mourir, les amis. Non, mais génial. Hein. Il pourrait pas nous arriver pire que ça, hein, vraiment. Non, bordel, me tuez pas. C'est bon, tu l'as buté, le machin, là? Oh, il y en a un obligé dans l'eau. Bon, occupe-toi de lui, là. Moi, je vais mourir, là. Voilà, allez. J'ai plus de soin, je n'ai plus rien. Ah là là là, bordel, bordel. Bon, la créature est partie dans le néant, c'est fini, on est mort. Montre-toi une dernière fois, t'es mort. Allez, voilà. Bye bye. Voilà, je vais pouvoir me soigner. Hop, ok. Bon, on n'a que 29 balles. On va devoir faire attention à tout ça. À moins que des objets se baladent dans le coin. Ok, on va pouvoir enfin activer ce fameux interrupteur. Par contre, l'autre bateau, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce bateau-là. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Quand on y réfléchit, l'autre bateau, il ressemble à deux gouttes d'eau au bateau qu'on a actuellement. Vraiment, c'était à s'y méprendre. Hein. Mais vraiment. Raymond, t'es là, je parie. Ah non. Y a pas Raymond. Là, tout le monde, Raymond peut apparaître et nous faire un coucou. Hein. Très bien. Vérifie le système de contrôle. Vas-y, vérifie, Jill. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Resident Evil Revelations. De l'autre côté. Merde, j'ai pas de signal. Moi, je trouve cool. Elle est sur le point d'observation. On peut peut-être la réparer. Je suis sûr que la vie est super. Oh, le clin d'œil. Allons-y.
contre, attends 2 secondes, mec, tu veux voir un truc. Alors, ça, c'est une arme qui fait 110 de dégâts, 144. Attendez, hop. Non, je n'ai rien de possédant. Je n'ai rien de possédant qui me permettrait de posséder et de d'améliorer une arme. Donc, vraiment, là, ça va être compliqué. Pistolet! Pistolet en priorité. Le moins important au plus important. On garde les plus grosses munitions pour les plus grosses créatures. J'ai bien fait de vous dire ça il y a 10 secondes parce que là on va partir sur des balles de pompe. Hop, les deux. Ça se scanne. Quoi, 2%? Ah, ils régalent pas du tout, eux. Alors, hop, on remet 2 balles de pistolet, évidemment. C'est génial, hein? C'est génial, on a perdu 2 balles de pompe pour eux alors que je voulais vraiment économiser mes balles de pompe. Ah, dans l'eau, c'est toujours plus compliqué, on dirait les monstres et tout. Bon, nous voici ici. Ok, on va activer ça. Voilà, on remonte là-haut, mais je vois pas en fait l'objectif. Ah! Mais c'est pas celui-là! En ce moment, Queen Semiramis. C'est pas le bon Queen. Ouais. Vous devez être sur le navire jumeau du Queen Zenobia. Le Queen Zenobia, voilà. Ok, donc Chris, mais en vrai, il y a beaucoup trop de flashbacks, hein. On est vraiment, on a vraiment 10 secondes avec l'un, 10 secondes avec l'autre, voilà, merci. J'ai eu peur. Bon, nous, on est avec Raymond. Raymond est avec nous, au pire, donc si jamais vous cherchez quelqu'un, un pseudonyme, il y a Raymond. Raymond, c'est un collègue, il travaille avec nous. Donc si jamais... Ok. Ok, ah, ça j'aime pas. J'aime pas ce que je vois là. Qu'est-ce que c'est? On a un nouveau boss. Pars-toi. Ok, il y a un nouveau monstre qui est apparu en ville. Ok, on a un nouveau monstre en ville, les amis. C'est un gros monstre qui explose et qui fait mal. Eh ben on est bien, hein. On est vraiment bien, on est avec des nouvelles créatures. Bon, bah je pense que les trolls nous prennent pour des cons, voilà ce qui se passe. Qui sait? Ils n'ont pas donné signe de vie depuis cette vidéo. Ouais, j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'ils sont nulle part en vrai, les trolls. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis loin d'ici et ils nous ont juste fait ch... ils nous ont chié des zombies. Et ils se sont dit on se casse. Et ils se débrouilleront. Ah non, voici au casino, let's go. Il y a des munitions de pompe ici, ça régale. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller dans cette salle-là? Il y a ça. Hop, c'est quoi? Une pièce personnalisée, merci beaucoup. On se revoit demain. Il y a un objet derrière cette porte. Laisse-moi passer. Hop, une munition de Magnum, on n'a toujours pas le Magnum, hein, mais bon. À ce niveau-là. Ça, on l'a déjà lu, ça. On l'a déjà lu. Cette porte qui est là, on l'a ouverte. Ça ne s'ouvre pas. Ok. Donc là, l'objectif, c'est juste de retourner voir Raymond, en fait, là. Raymond, il va nous donner des indications, quoi. C'est de comprendre un petit peu on va où, là. Ce navire, ça fait genre 3 heures qu'on est dessus. 3 heures, un peu plus que 3 heures, hein, en termes de temps et tout. Il n'y en a toujours pas le moindre indice de ce qu'il faut faire, quoi. On ne sait pas où est Veltro. Oh, j'aime pas. Tu as entendu? Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas ce qui se passe. Mais il est plus là, le frérot. Combat de boss? Ici? Vraiment? Vous allez vraiment faire ça, le jeu?
Première victime. Oh, on a une empreinte. Ouais, bah Jill, elle arrive. Attends, parce que Jill est en train de fouiller la zone. Jill, elle le sent pas du tout. Ok. Allez, viens ici. Ouais, on va aller dehors. Hein. Écoute, pourquoi pas? Bon, là, on a pu. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ok, il y a un boss. On s'amuse les mecs. Bon, le pompe. Et Parker, tu te remets encore une fois dedans, tu mets une balle dans la tête. Parker, il est en train de niquer la game. C'est Parker en vrai, j'ai compris. Vous savez pourquoi il m'a tué le monstre? Parce qu'en vrai, Parker. Il s'était mis devant tout à l'heure et j'ai perdu de la vie. Moi, bon, c'est pas grave, allez, hop, on reprend. Le truc, en plus, je l'ai one-shot tout le temps et je prends quand même... En fait, parce que je l'ai pas touché dans sa zone sensible. Et si tu le loupes dans sa zone sensible, c'est terminado pour toi, quoi. Ouais, j'aime pas trop leur système, là, mais bon, c'est pas grave. Hein, on va pas cracher dessus, hein. C'est un peu bizarre, le combat, là. Ah, ça, c'est un boss qu'on va affronter à la fin du chapitre ou quoi, ça va être compliqué. Ah, je sens pas, lui. Ah, je vous le dis clairement, je le sens pas lui arriver là. Ok, le v'là. On va l'appeler la créature avec des yeux là. Ok, c'est bon, il s'est barré. Il est où? Ok, 4 coups. 4 coups dans sa sensibilité et prend des dégâts. Et de 1 et de 2, ça fait 2. Ok, on va garder un peu. Ok. Ok, faut qu'on le dégage ce truc, hein. Vraiment, faut qu'on le dégage vite, hein. On recharge. Il est où? Où es-tu mon pote? Voilà. C'est bon. Ok, lui il va nous faire chier. C'est le monstre. C'est le boss de ce chapitre, c'est sûr. Non, il est pas mort. Il est pas mort, c'est sûr. La personne me l'a fait à moi. C'est bon, j'en ai fait des jeux vidéo, les amis, en 28 ans. On me le fait pas moi, c'est un boss qu'on va rencontrer dehors, un truc comme ça, on va devoir l'affronter sur plusieurs phases. Et après on va quitter le navire. Regardez, hop, je vous l'ai pas dit. Ah, attends, on nous prépare pour un combat là. Ok. T'es sûr qu'il n'y a rien à voir mec? Moi je suis pas trop sûr. Hein. Alors tiens, j'ai un nouveau qui un équipement. Critique 1. Ok, les critiques. Quelle arme me permettrait de faire des critiques vraiment? Le pistolet, bon, c'est bof bof. Ça c'est critique. Allez. Hop. Ah! Non, shop c'est bien et le critique on va télégarder pour la mitraillette plutôt. Ouais, critique pour la mitraillette. Parfait. Ça c'est parfait. Alors fouille bien la zone qu'on n'ait peut-être pas un objet mystère là qui pourrait popper. Oh il y a des bonbonnes et tout. Oh le boss il est là. Oh non mais on le voit arriver. On est trop malin. On sait qu'il y a un boss dans les parages. Oh, il nous prépare pour le boss. Allez, level boss. C'était. Mais qu'est-ce que tu fais? Dis que tu fais une sieste, c'est pas le moment. Alors, occupe-toi de mon pote, moi j'ai des trucs à faire. J'ai pas le temps. Ok, barre-toi. Ok, j'ai. Allons, on y va avec les grenades, hein, je vous le dis.
oui, ah, il fait mal. Ok, on a combat de boss dans cet épisode, les amis. Arrête de recharger maintenant, moi. Vraiment le meilleur moment. Cours. Cours, mon pote, t'arrêtes pas, parce que là, je crois que lui, il va nous faire chier. Ok, c'est le boss du chapitre, en plus. Ah, il est sur moi. Attends. Oust ! La bête ! C'est vous, monsieur, s'il vous plaît ? Merci beaucoup, j'avais des choses à récupérer ici. Hop. Ok. Bon, on s'occupe de lui, maintenant. Il est toujours dans les parages, lui, là ? Il est là. Ils foncent dessus. Je me soigne, y a pas de souci, c'est cadeau. C'est mon ami avec le monstre là, on est devenu ami. Ils nous foncent dessus. On peut pas esquiver. Ah, on peut pas l'esquiver en fait hein, quand ils nous attaquent. Hein. Vraiment, quand ils nous foncent dessus, c'est qu'ils nous foncent dessus quoi. Ah. Là, il rigole pas. Oh ouais, la touche pour se relever, c'est pas mal pensé par contre, mais ça fait peur. Hein. Ok, il y a des trucs à récupérer un peu partout. Ouais, et Corias qui en plus fait des dégâts. Hein. Et quand il nous fonce dessus, on peut pas l'esquiver. Là, j'esquive. Ah si, je peux esquiver avec espace, ok. J'avais pas la touche. Ok, espace pour esquiver. Attention. Non, bon, espace n'a pas fonctionné là sur le coup. Oui, c'est un bon toutou. En fait, c'est pas méchant. Je pense qu'il croit qu'on est un ennemi parce qu'on est dans les... Mais c'est pas humain, ce truc-là. C'est un Pokémon ou quoi? On dirait un Pokémon, le machin. Non, il veut pas esquiver, en fait. C'est ça, mon problème, mon perso. Toujours pas à terre. Ah là là là, j'ai pas beaucoup de vie. J'ai pas de vie. Au secours, j'ai pas de vie. J'ai plus de soins, j'ai plus rien. Oh, j'ai plus de soins. Par pitié, je veux pas mourir. Oh non, mais il me fonce dessus tout. Ah, oh, ça doit être le monstre le plus chiant du jeu. Je t'avais dit laisser à moi, c'était rien. Et on allait rencontrer des monstres plus forts. Voilà, ça, il est au-dessus, hein. Il est au-dessus des Siamois, lui, clairement, c'est le, pour l'instant, c'est le monstre le plus fort du jeu. Il y en aura peut-être d'autres. Mais quand je l'ai fait ce passage d'arrivée, je me suis dit, par pitié, que c'est pas un boss, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai prié. Et quand j'ai vu le monstre, j'ai dit, c'est fini. Et bien, il y a ça aussi, les bonbons explosifs, il faudrait peut-être qu'on les gère, hein, ces machins-là. Mais on va le gérer, ouais, c'est bon. C'est un pote à moi. Et fonce-moi dessus. Voilà. Allez, prends des dégâts, lui. Ok. Alors, lui, on peut le gérer. Il faut juste vraiment qu'on attende qu'il nous fonce dessus, là, et on lui fait un explosif. En fait, à chaque fois qu'il nous fonce dessus, on lui jette des explosifs. Tout simplement. Non, mais vraiment, la plus grosse méchanceté pour... Ah, bien joué, bien joué. Non, il était malin. Il était plus malin que nous. Hein. C'est. Voilà, les monstres sont plus malins, moi, je les avoue. Et je dis, ben, bravo à eux. Il a bugué. Ok, j'ai esquivé. Ok, faut que je le gère, le monstre. Là, il y a des cheveux. C'était un humain avant. Le mec, il dit des conneries. Allez, on jette une grenade, là, on va nous foncer dessus, de toute façon.
Allez, encore une fois j'ai esquivé. C'est bon, j'ai swappé le S, c'est bon, on peut l'esquiver en vrai. Par contre, aide-moi, je dois recharger mon pote. Ok. Ouais, attends. Moi en fait mon problème c'est que clavier souris j'adore, mais j'ai pas l'habitude de changer autant de touches tous les 10 secondes. Ok, c'est bon, il fonce dans le mur. Il est aveugle, bonne nouvelle. Ok, je sais pas ce qu'il nous fait là comme technique encore, il nous fonce dessus à l'aveugle. Oh, il a perdu une touffe de cheveux, donc peut-être qu'il va bientôt mourir. Ah là, j'ai pas de. J'ai plus rien. J'ai plus mune, j'ai plus rien. Il y a même lui, il est essoufflé, il commence à se fatiguer, il en a marre. Il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Ah non, il est pas mort. Mais j'ai plus de balles de toute façon. J'ai plus de balles pour le vaincre. Donc il va falloir trouver une autre méthode là. Ah c'est bon, j'ai des munitions. J'en ai trouvé. Ok, bon, j'ai trouvé des munitions. Ah attends mec, je recharge mes munitions. Ah merde. Ok. Ok. Non, relève-toi, relève-toi. Bien vu. Attention. Voilà, est-ce qu'il vous donne des moments? Oh, je crois qu'il est mort. Oh, purée. Trop bien ce combat. Il y a encore du temps pour jouer en plus. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Il fallait un boss un petit peu, hein. Moi je crache pas dessus, on a eu un boss, c'est cool, on nous donne des munitions, en plus ça régale. On va peut-être fouiller la zone, voilà, pour récupérer des objets. C'était ma dernière méthode que j'avais si jamais on était dans la mouise, c'est de chercher par scanner des objets à retrouver. Donc il y a une échelle qui est juste là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer? Oh, on peut encore analyser le monstre là? Il a plusieurs points analysés lui, hein. Lui il y avait 20 000 morceaux qui étaient analysables. Attendez, c'est un bug infini lui, non c'est bon. Il n'y a plus d'objets, il n'y a plus rien à faire avec lui. Ok, c'est bon, on va pouvoir y aller. Allez, on y va. Mais avant, attends, je récupère juste l'objet qui est là. Voilà, je recharge mes munitions. Oh là, on s'est mis bien dans ce combat face à cette créature là de semi-boss là, de Pacotille là, mais qui était vraiment stylé. Allez. Ah, on a la carte! Carte d'accès Veltro, on va pouvoir ouvrir les portes qui étaient verrouillées jusqu'à présent avec le magnétisme de la carte. Journal d'un membre de Veltro. 2004, nous allons enfin mettre notre ultime plan à exécution. Il a été mis au point par Jack Norman, on a un nom sur un visage. Notre chef et frère d'armes, quand il nous l'a exposé pour la première fois, nous avions des doutes, mais l'heure est venue d'appliquer ce plan extraordinaire. Grâce à la volonté de fer de nos camarades et à celui dont le pouvoir et l'influence ont rendu tout cela possible. Il a préparé ses navires pour nous, ses paquebots de luxe sont le symbole de la déchéance de l'humanité et ils seront de parfaits porteurs pour le virus qui va purifier l'humanité. On m'a confié la noble mission d'aborder le Queen Zenobia, Bernard Corti. Ah ça, c'est Bernard Corti. 2004, 12 heures avant le début de la mission. Mon corps est parcouru du tremblement incontrôlable. C'est peut-être l'excitation ou la peur, les deux. D'étranges organismes biologiques engendrés par le virus parcourent le labo secret de la cale. Le virus se dissout dans l'eau. Quiconque la boit se transforme en monstre. L'arme biologique Hunter a été infectée hors site et se chargera de répandre le virus sur la terre ferme. Ce temple de la décadence, qui est la cité flottante, deviendra bientôt un véritable enfer. Nous devrons créer l'enfer sur terre pour que les gens ouvrent enfin les yeux. Que sont les mots? Ce sont les mots de Norman. Si notre mécène grisonnant croit en Norman, alors nous, les serviteurs, le devrons aussi Bernard Corti. Ok. Très bien. Il a beaucoup de trucs à nous dire, lui. Lui, je crois que son meilleur ami, hein, Bernard, là. Son plus grand fan, en tout cas, ça c'est sûr. Ok, pas mal. Ouais, pas mal, pas mal du tout. Ah, regardez ce qu'il y a là en plus. On va pouvoir re retourner derrière.
Bonne nouvelle. Attends, j'ai trouvé un truc qui s'est caché. Si j'avais su ce qui nous attendait sur ce bateau. Voilà, on a des munes. Bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a encore un combat de boss là? Là, il y a la phase 2. Phase 2 du combat. Bah là, on a bientôt retourné le bateau de fond en comble. Hein. Il y a bientôt plus rien à faire sur ce bateau. Mine de rien. Et j'ai pas utilisé, j'ai utilisé qu'une seule plante de soins. Là où j'en avais utilisé tous mes soins tout à l'heure, là j'en ai utilisé qu'une seule. Et ça m'a suffi pour survivre face au monstre. Donc let's go en vrai. J'ai géré. Hein. La seconde phase, je l'ai géré. Qu'est-ce que c'est que ça? On va activer ça. Je vérifie le câblage de l'antenne. Allez, tournevis. On connaît la méthode. On l'a déjà fait 15 000 fois, même avec, avec les deux clowns, là, on l'a déjà fait le truc. Donc vas-y. Alors. Parce que là, il faut que je réfléchisse. Après celui-là, celui-là, après celui-là, celui-là. Non, après celui-là, celui-là. Donc après celui-là. Après celui-là. Celui-là, il sera après. Donc celui-là, on remet là. Celui-là, vu qu'il est là, on va faire ça, mais avant, lui, il sera là en premier. Ah, ça c'est compliqué, attendez. Il y a un nœud là qui s'est fait. Il y a deux nœuds. Il y a des nœuds partout. Ah, attendez. Dans l'ordre. Ça fait. Tac, 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 tac. Attendez, ça c'est la réflexion là. Par contre, attendez, attendez. J'essaie de comprendre là. Hop. Voilà. Ce serait celui-là, mais comment on va l'amener là, lui? Comme ça. Non, si, c'est celui-là? Ok. Bon, maintenant, ça va être de mettre dans les codes couleurs, les... Voilà, comme ça. Lui, là. Lui, là. Et lui, là. Et lui, au-dessus. Voilà. Excusez-moi, il faut le temps que je réfléchisse. Hein. L'ennemi est facile. Hein. Mais si, il faut que je me mette un petit peu dans l'esprit comment ça fonctionne, etc. Ok. Ici Vermillon, quartier général, vous me recevez? Ici O'Brien. Ah, O'Brien, il est là, let's go. Chef, ici Parker, c'est la merde ici, c'est vraiment le bordel. Je sais, c'était un piège et nous sommes tombés dedans. Y'a pas de soucis, O'Brien. C'est Veltro. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, vous, chef, là. En contact, j'ai un appel en urgence. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, le chef, là? Brian, nous avons reçu un appel d'urgence de l'ESF. Ils ont détecté un mouvement satellite. La force de sécurité européenne? Continuez. Oui, monsieur. Apparemment, le complexe d'énergie solaire de Terra Grigia est en cours d'activation. D'accord. Alors, ça y est, c'est parti. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un a trouvé le Queen Zenobia. Et qu'est-ce qui lui arrive à O'Brien? Alors, vous n'avez pas changé. Parker! Qu'est-ce qui se passe? Le ciel va vous tomber sur la tête. Le complexe d'énergie solaire a été réactivé. Alors, vous n'avez pas changé? Les repères de Veltro en Méditerranée. Et ce sont les bateaux de croisière. Les satellites qui ont détruit Terra Grigia. Juste au-dessus de nous. Ils peuvent pas ignorer l'ultimatum et détruire le navire. Hein? Je comprends rien. J'essaie de comprendre un petit peu, en vrai. Le scénario. Il est facile à comprendre, c'est moi qui étais ailleurs. Mais O'Brien, tu nous fais quoi là, sale traître? Le traître là. Je lui l'ai dit, j'avais pas confiance en lui là. Bah ouais, sale monstre. C'est un monstre, O'Brien, je vous l'avais dit. Moi je lui faisais pas confiance depuis le début là. Espèce de traître. Bon, suivant.
J'essaie de voir si ma caméra est toujours branchée parce que vous savez, j'ai déjà eu la surprise récemment là. Ok. Stage 8 à 12 du monde commando de bloquer nouvelle tenue, la tenue du frérot là. Ok, bon bref. J'espère que la caméra n'a pas bugué, hein. Écoutez, ça on aura la surprise plus tard. Hop, on écrase. Là on va passer sur une partie, un petit peu je pense la partie finale du jeu, voilà. Par contre, pourquoi Brian il obéit au maire de la ville là? Et là, le maire de la ville, mais j'avais dit c'était lui le Veltro, mais en fait, est-ce qu'il serait pas le grand patron de Veltro? Je comprends plus rien. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Non. On est sur le Queen Semiramis. Merde, j'ai pas de signal. On peut peut-être la réparer. Vous allez bien? J'essaie de mettre le contrôle Alt V là pour avoir mon PC, mais il veut pas. De Terra, ouais, les satellites qui ont détruit Terra Griga. Et pourquoi lui veut pas nous aider? Mais je ne peux pas autoriser ça. Qu'est-ce qui lui arrive à lui là? C'est un traître ou quoi? Vas-y, les révélations là. Le Regia Solis. Ok. Ok, ok, ok. Le Regia Solis, ok, c'est qui ça? Et Raymond, il est vivant, là? Il vient de pas nous aider, le petit Raymond, là? Raymond qui était avec nous, là, depuis le début, là. Il arrive à quoi, lui? Ça... C'est vraiment un lâche, hein. Il arrive pas à nous aider 5 minutes, là, le petit Raymond? Alors, nous, on est ici, en train de parler avec le chef de O'Brien, là. Chef, que se passe-t-il? Bon, dis-nous tout, là. Raconte-nous l'histoire, que je comprenne un peu moins de mon côté. Il y aura un flashback. Pas du tout. Ok. Ok. Chris, il va bien? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais essayer d'empêcher l'attaque. Terminé. Et qu'est-ce que... Mais ouais, il peut nous raconter un petit peu le ref là. C'est quoi cette stratégie là avec... Ici Jackass, le chef nous a expliqué ce qui se passe. Ah, il est là, lui, ça y est. Il ne vous reste plus qu'un seul espoir. Dis-nous tout, dis-nous tout. Dérouter le système de visée du satellite. Ah, merci. Merci John Rambo là pour ta blague. Ah bah si tu veux le bateau comme ta poche, je t'ai train de nous aider. Hein. Ok. Bon. Là j'essaie de comprendre un peu le scénario les amis. Si quelqu'un comprend quelque chose, tu fasses un résumé dans les commentaires hein, de ce qu'on a appris. Jusqu'à présent. Mais je vais essayer de comprendre, je vais regarder moi les rodifs et j'essaie de comprendre. Pourquoi il y avait le maire de la ville de Terra Griga? Donc c'est lui qui s'occupe de Veltro alors? Et O'Brien, c'était son meilleur ami ou un truc comme ça, donc il a du mal à lui faire confiance. Il s'est arrêté. Ça sent pas bon, hein. Ce navire il part en cacahuète. Hein. Ouais, là je. Je sais ce qu'il faut faire. Vous allez utiliser l'UAV. Ouais, c'est quoi ça? Il y a un drone à bord du bateau? Oh, ça résonne. Ouais. Velbro l'a utilisé pour ses attaques l'an dernier. Il est dans un conteneur sur le pont avant. Ok. Vous venez les gars? Ok, on a 30 minutes. Mais nous on va finir dans pas longtemps l'épisode. Hein. Donc là on est dans une zone qu'on connaît pas. Donc préparons-nous au combat. Pistolet en premier. Mitraillette en deuxième et le pompe en troisième. Voilà. Ok, on arrive sur une partie du bateau qu'on connaît pas, on le voit sur la minimap. Oh non, regardez ce qu'il y a en face. Un cocon immense avec sûrement le boss qui est caché dans un des cocons. Et... On va encore se taper un boss, les amis. C'est une blague. Attends. Hop. Ça, c'est pour moi, ça. C'est cadeau. Ouais, bah là, on est tombé sur le roi des cocons, là. Là, je te le dis, hein, lui, là, c'est le boss. Hein. Hop. Une fois de plus, il y a encore un boss qu'on va se taper dans le jeu, là. Ça fait rappeler un petit peu les salles à Zelda, vous savez, où il faut... avancer en faisant des énigmes et tout. Allez, le tournevis, c'est parti.
Bon là c'est la dernière phase qu'on va se faire je pense sur le navire, après il restera une phase finale et fin du jeu. Ok. Attendez, oh non ça c'est encore une réflexion. Lui en deuxième, ça ça m'intéresse. Lui en troisième ça m'intéresse aussi. Parce que lui je l'ai amené là-bas c'est-à-dire. Hop. Attendez non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà. Donc lui en troisième. Lui en quatrième. Lui en cinquième. Et lui en sixième. Ok, alors attendez, on va résoudre le truc maintenant. Hop, voilà. Let's go. Ok. En vrai, je parle, vous comprenez peut-être pas ce que je veux dire dans mes réponses d'énigmes et tout, mais je suis comprise, donc c'est la principale. Mais ça, à quoi trouver les empreintes? En vrai, il y a une énigme à la fin. Il y a un truc à résoudre. Oh! Un sniper. Non. Non, non, attends. Change-moi pas d'arme comme ça, comme de chemise, là. Le pistolet. Ok, on a le sniper. Bonne nouvelle. On a une pièce personnalisée, bonne nouvelle. On a un livre à lire. Rapport de nettoyage. Il y a des commentaires écrits à la main. 25 mars. Il y a des sortes de coquillages au fond de la piscine, je sais pas d'où ça vient, il faudra nettoyer ça au plus vite. 30 mars. Zut, les coquillages sont de retour, ils sont groupés ensemble, comme une colonie. C'est peut-être une nouvelle espèce, on pourra peut-être les manger. C'est le chef des poissons qu'on va affronter, oh non. La canalisation d'eau était endommagée, elle est réparée, mais l'eau est peut-être contaminée. Le type en charge de la sécurité n'était pas content. Je demande s'il y a un rapport avec cet étrange coquillage. Burke, bon, c'est pas une nouvelle espèce de coquillage, ça c'est sûr. Ok. C'est le roi des poissons. Ok, ah, ça rappelle Resident Evil 1. Pour ceux qui se rappellent, là, avec les requins, là... Oh bordel, les amis. J'aime pas. On sait qu'on va affronter un gros monstre encore. Ouais, bah là, on va tomber sur des monstres. Hein. Je vous le dis, préparez-vous. Pourquoi je reviendrai plus tard? On part d'ici là? Bon, ok. Hein. Ah, bah tant qu'on y est, tiens, on va attendre. On va revenir plus tard. Ok. Bon bah on va revenir plus tard alors, comme nous a dit notre pote. Oh, petit lag. Ah par contre je vais mettre des bons shoots. Hein. Vous connaissez moi le sniper. Pour ceux qui m'ont vu sur d'autres jeux vidéo, j'adore le sniper. Hein. C'est vraiment mon arme préférée des jeux vidéo. Bon il faut qu'on aille où là? Clairement. La minimap elle nous a pas dit d'aller là, donc ça veut dire que c'était pas par là, la suite de l'aventure, là c'était peut-être un truc à faire, évidemment. On peut descendre par là, ok. Bah écoutez, il y a des salles avec des portes verrouillées par la carte là, on va essayer de les déverrouiller du coup. Ce serait un bon début. Par contre on a des armes, c'est cool, mais on a... on n'a pas une grosse avancée sur l'histoire. Hein. Ok. Je dois y aller. Bah alors Raymond, t'as qui au téléphone? Vous voulez mourir avec Veltro ou vous voulez vivre? Mais... Je vais faire ce que je peux ici. Ok, Raymond. Et toi, tout à l'heure, espèce de merde. Voilà, je dis les termes, les amis, je m'en fous. T'étais où, depuis tout à l'heure? Nous, ça fait une heure qu'on est là. Ah non, ils ont fermé la porte derrière nous. Ça fait troll. Ça fait une heure qu'on galère et toi, t'étais où, là? T'étais attendre ici en train de parler avec ta femme ou quoi? Il nous espionne, c'est un traître, je suis sûr, mais bon. On va faire style qu'on va être surpris pendant le cliffhanger de fin, quand on va apprendre que c'était un traître qui travaille pour Veltro, pour le maire de la ville de Treira Grigia. Ou même pour O'Brien, si vous, c'est le fils d'O'Brien. Ouais. C'est par là qu'on doit aller, là? Oh bordel, il y a des monstres à terre. Oh, il y a un truc à courir. Oh, je l'ai vu. Hein. Et je suis prêt à me battre. Par toi, il y a des monstres qui courent vite. Hein. Ah, attends. Attends. Je vais aller là. De toute façon, on va pas tarder à se laisser, les amis, pour l'épisode numéro 8. Parce que, quand même, là, le temps il défile. Hop. Cadence de tir. Ah, bah, ça va être bien ça pour le sniper. Hop. Ça tombe très bien. Hop. Retour. Tac.
Ok. Comme ça, je l'ai pas équipé tout ça. Pour l'instant, je vais toujours tirer et je reprendrai plus tard. On va monter les dégâts. Du pompe, voilà. On va monter le chargeur long de la mitraillette. Et maintenant, je vais monter les dégâts de mon sniper. Et la cadence de tir 2. Et pour la cadence de tir 1, je la mettrai pour la mitraillette. Je peux pas. On va laisser son pistolet alors. Bon, quand on aura besoin du pistolet, on rechangera tout ça, hein, je vous le dis. Mais non! Retour. Rien de tout ça. Tout baigne, tout baigne. Je vais gérer, je vais gérer. Là, ça va être. J'attends la prochaine sauvegarde, on va se laisser là, je pense. Ouais, prochaine sauvegarde, c'est ça, il y a 22 h, mon côté. Oh non, il y a un truc qui courait vite ici en plus. De toute façon, on nous garde. Ok, ils sont nombreux. Oli! C'est vous là, les escargots géants là, qui sortent des coquillages là? On a une info par rapport à ça là. Allez, restez à terre. Voilà. Analysons-le, il disparaît lui là. Hop, une balle. Il s'est pris une balle, il est mort. Allez hop. Reste à terre. Espèce de malotru, va. Donc il faut qu'on aille là-bas apparemment. Mais je sais pas si c'est bien bon d'aller là-bas en vrai là. Je crois que si, il fallait. Oh! Bien joué les gars. Eh, hey, médaille d'or au JO. Hein. Pour la surprise olympique, là, vous êtes les rois. Hein. Bon allez, enlève-moi ces clowns là. Le troisième a disparu. Ok, la carte, elle doit être dans les parages. Ah oui, je me rappelle, il y avait une carte activée plus loin, là. On a dit sur la proue ou sur le pont? Bon, je sais plus. Je ne sais plus trop. De toute façon, on verra, hein, la porte qui aura la surprise de se débrouiller avec une carte, ce sera par là. Et on va s'arrêter après. Gros épisode, là, hein, qui va durer presque 1 heure, hein, les amis. Hein. Je vous régale. Hein. C'est même pas l'épisode 10. Non, mais je sais plus c'est où. C'était là? Non, c'est pas là. Je vais aller sur le pont avant, bah, je me dépêche, hein, moi. C'est un labyrinthe ici. C'est un vrai labyrinthe. Hein. C'est ça que je dois activer. C'est bon. On a activé un truc là. Ok. Ah, pièce personnalisée illégale, les amis. C'est illégal tout ça. Hein. C'est vraiment illégal. Hein. Ok, bon. Je sais pas où ça nous amène tout ce bordel là. C'est en bas. Je crois qu'il faut qu'on aille en bas. Voilà, c'est ici. Non? T'as pas utilisé une carte ici? Je m'en rappelle plus. Moi, oh, c'est peut-être là-bas. Hein. Tu me suis, mon pote? C'est bon, on prend pas la bonne route. Hein. C'est quand même bizarre qu'on est tombé sur des monstres ici et que ce serait pas ici. Ok. Ascenseur magique. Donc voilà. Cabinet du haut. Je sais pas on va où. En plus, j'ai arrêté l'épisode, mais il n'y a pas de sauvegarde depuis tout à l'heure donc. Ok, il y a des. Il y a des nageurs là, les amis là. Poussez-vous s'il vous plaît, messieurs les nageurs. Oh, bien joué. Et beaucoup. Hein. Hop, on s'est panisé les monstres. Ok, attendez. Laissez-moi analyser la zone, s'il vous plaît. Voilà. Ok, je vais recharger mes munitions. Je l'ai vu, le mec à terre, là, qui semble en être mort. On doit bien nous tomber dans la tête, après. Allez, relève-toi. C'est bien, reste à terre. Voilà. Et t'es où, mon pote, là? Il passait où, lui, là, le ref, là? Il y avait des salles, ici, à ouvrir et tout, rappelez-vous, mais c'est pas par là. Ok, c'est pas par là. J'ai pas pris la bonne cabine, hein, je crois. Oh!
Oh, ils sont trop nombreux là. Ah, il y a même une daronne monstre zombie là. Bon, on passe à droite, on fait une percée. Je le dis direct. Non, t'as pas soif. T'as faim. Pas pareil. On les affronte pas, on les affronte pas, on fait le tour. Hop. Ouais, bon, on s'en fout de Rachel, allez, on a pas le temps pour elle. Ouais, j'ai plus de temps pour eux là que Rachel. Rachel nous a pas suivi quand même, mon pote. Par pitié, dis-moi que Rachel elle est morte. Et en plus, un cul-de-sac, et on a Rachel derrière. Y'a Rachel! Rachel! Oli! On l'affronte pas Rachel, hein. Je vous le dis là, Rachel, elle va nous... Ça va être un petit peu la... Comment dire ça? L'élément perturbateur de la game, là. Ah, par contre, ils ont mis des habits vraiment à la wall again, là. Mais va-t'en, toi. Ils ont mis des ennemis partout. Mais j'ai pas le temps, je suis en train de faire un truc que vous pouvez pas voir, mais c'est par rapport à ma télé. Il me laisse pas le temps de faire des trucs, hein. Et en plus, c'est rien ici. Bon, ça, je me mets deux secondes, je dois faire un truc. Voilà, excusez-moi. Hop. Ok, déjà, je vais arrêter l'épisode à 22h. Là, il est 22h, donc je suis obligé de... Non, j'ai fait quoi, moi? Mais Rachel est dans toutes les pièces, les amis. Rachel, ça y est, elle va squatter la zone, je l'ai dit. Ça va être la rouleau de service, Rachel. On va prier pour pas qu'elle nous suive partout. Ouais, recharge tes munitions, mec. Rachel est dans la pièce d'à côté, hein, je le dis. Spoiler arrière, ça y est, Rachel est ici. Hein. Ok, je vois, il faut qu'on aille où? C'est bon. Il y avait une pièce avec la carte là-bas, on va aller voir. Ouah! On s'en va, hein. Ok, là, il fallait la carte ici. On va se mettre vite fait là. Est-ce que c'était là? Oh, pitié. Il y a un truc à faire ici. Changer d'arme? C'est quoi comme arme là? Oh, un magnum! Attendez. Alors non, attendez, laissez-moi réfléchir là. J'ai un magnum ici là, sous les yeux. Bon, vas-y, hein, à la place du sniper. Hein. Et on va. Non, on va lire le document, non? Tu t'en fous du document? Alors toi. Je vais tester mon mad gnome. Ouais, je te le dis direct. Hein. Ouais, je te one shot, m'en fous. Ouais, Rachel, je vais la one shot. Les amis, ouais, Rachel, elle va prendre cher. Elle a pas intérêt à être dans les parages. Hein. C'est qui lui là? Prends-toi ça toi. Voilà, explose sur eux lui. Bien compris lui. Lui c'est un bon zombie lui. Partout il explose lui. Voilà, bon bref. Toi tu vas t'en aller. Voilà, ça c'est un collègue. Qui m'aide vraiment. Voilà, des balles de pompe. Voilà, là on s'entend bien. Voilà, on peut partir d'ici. Hein. J'ai envie d'arrêter l'épisode, mais je peux pas. Alors, c'était pas par là qu'il fallait qu'on aille. Hein. Apparemment, il fallait qu'on aille autre part. Sauvegarde. Bon, je vais pouvoir arrêter ici. Ok, je me mets ici, j'arrête. Bon. Les amis, on va arrêter là parce que ça commence à faire un gros trop moment là que. Enfin, un trop long moment où je suis sur le jeu. J'espère que ça vous a plu. Le petit j'aime, le petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cet épisode qui est assez long. Et on verra hein, pour l'épisode numéro 9, la suite, qui sera pas tournée ce week-end, qui sera tournée la semaine prochaine de mon côté. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Dans la description, il y a ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick et mon Discord. N'hésitez pas à les checker. Et n'hésitez pas à vous mettre des j'aime et des abonnés. Hein, ça me soutient. Et merci à ceux qui le font encore. Merci, vous êtes les meilleurs. En plus, on vit un beau moment sur Resident Evil Revelation. C'est pour ça que quand tu cliqueras sur cette cloche de notification, tu auras les alertes pour les prochaines sorties d'épisodes de Resident Evil Revelations, c'est-à-dire en haut à droite de ta chaîne YouTube, quand tu cliques sur la cloche, oui, marqué plus 1, plus 9, plus 10. Prenez soin de vous. C'était Alex Hansen et Kevin Alex. On était sur Resident Evil Revelations, épisode 8, le numéro 8. C'est ça, 8, voilà, tout simplement. Ciao tout le monde.